Allez, ils sont partis pour cette épreuve hors Paris Mutuel, le Prix Alsa Cup Racing, finale des championnats de France avec le numéro 2 Heller qui semble-t-il est resté au poteau. En revanche, le numéro 3 Secret Arrow Mika Soumillon a pris un très bon départ et s'installe aux commandes avec le numéro 5 Chegora et Gustave Martinez. Il y a 3e Sacha Castella en selle sur le numéro 1 Sox et à distance en 4e position Kazakh Alsa Cup Racing, le numéro 9 Imperial High Night Fighter avec Eugénie de Grand Villiers, alors que le numéro 8 Adorias Vouleur et Margot Moisson sont pour l'instant 6e. Le 6 Oteo qui monté par Thibaut Delaunay patiente à l'arrière avec le numéro 4 Lardman Batten et Thiago Lerner, alors que l'on retrouve en dernière position Bérénice Monnier en selle sur le numéro 7 Shoot the Deal. Les concurrents bientôt qui vont entrer dans la dernière ligne droite avec toujours le numéro 3 Secret Arrow qui a le meilleur à son extérieur, le numéro 5 Chegora avec en 3e position Sox Kazakh Bleu Toc Bleu. À l'extérieur, le 8 Voyage Voleur essaie de refaire un peu de terrain comme le numéro 9 Imperial Hall Night Fighter, alors qu'à l'extérieur, le 4 Lord Mambaten tente de revenir sur les poneys de tête. Mais c'est le numéro 5 Chegora qui pour l'instant s'en va avec Gustave Martinez qui compte deux longues à l'avance sur le 3 Secret Arrow Mika Soumillon qui pour le moment conserve cet accessit. Et puis à distance, le numéro 1 Sox qui est 3e. Chegora s'impose, Gustave Martinez. 2e place pour le numéro 3 Secret Arrow. La 3e place est à voir entre le 4 Lord Mountbatten, Thiago Lerner qui a très bien terminé, et à son extérieur le numéro 8 Adorias Vouleur avec Margot Moisson. Thank you.
Le retour de Shigora avec Gustav Martinez, voilà, qui revient et qui félicite son poney. Bravo au club de Race des Olympiques. Et la cavalcade de Victor Hugo et de Kassar. Bravo également à Mika Soumino qui termine le deuxième qui a participé à